Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais dire merci. Merci à tous mes abonnés, tous ces abonnés qui prennent le temps de laisser en commentaire un mot d'encouragement, des mots de motivation à mon endroit. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que quand tu te rends compte que des personnes que tu ne connais pas, qui te connaissent rien qu'au devant d'une caméra, mais qui prennent la peine de t'encourager, de te soutenir dans ce que tu fais, vraiment, ça, c'est motivant et encourageant. Merci encore. Et vous qui tenez à vous abonner, je vous invite à accélérer le pas, à vous abonner, abonnez-vous. C'est vrai que depuis que je suis régulière sur YouTube, ma communauté a pris un grand coup, ma communauté s'est agrandie et tout, et j'en suis vraiment fière. Et pour ce mois, je me suis donné pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés, et je ne peux pas le faire sans vous. C'est vrai que je ne suis pas loin des 1000 abonnés déjà, mais dès que ça le fera, je vais vous l'annoncer et tout. Donc, sans vous, je ne peux pas. Donc, je vous exhorte à partager autour de vous, à vous abonner, vous qui regardez sans être abonné, abonnez-vous, à laisser des likes, parce que c'est motivant. À laisser aussi des commentaires, pourquoi pas. Laissez des commentaires comme d'autres personnes. Ça motive, ça... Comment je vais dire ça? C'est galvanisant en fait. Quand tu postes une vidéo et que tu reviens trouver des commentaires, ça te montre peut-être où tu as eu avoir une faille ou bien comment tu pourras aborder les prochaines vidéos. Ce genre de choses vraiment. Bref, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci pour ça. Merci. Donc abonnez-vous et invitez votre entourage à s'abonner également. Ok. Il y a une pandémie qui sévit dans le monde entier et pour mesure de précaution, cette pandémie nous oblige à se confiner. Pour ceux qui ne savent pas, moi je vis en Chine et depuis pratiquement 2 mois, nous sommes confinés. Et voilà quoi, je crois que le confinement vient de commencer dans d'autres coins du monde, mais nous le vivons depuis plus de 2 mois déjà. Voilà. Donc, je vais faire le rapport avec la pousse des cheveux. Parce que beaucoup commencent à s'ennuyer, ne pas savoir comment elles vont occuper leur temps durant tout ce confinement. Vraiment, pour moi, c'est le moment idéal pour celles qui ont souvent de la peine à prendre soin de leurs cheveux, de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu as du temps. C'est le moment où... tu n'es pas pressé. C'est le moment où tu n'es pas obligé de porter, par exemple, une coiffure protectrice avec extension. Tu n'es pas obligé d'être toujours bien apprêté et tout, parce que c'est le... Comment je vais appeler ça? C'est l'excuse que beaucoup de filles, beaucoup de natives ou crépus prennent par rapport à leurs cheveux. Soit, non, j'ai un mariage là, j'ai une célébration, il faudrait que je me tresse, que je fasse des tresses avec extension, faudrait que je mette un tissage, faudrait, bon, un bon nombre de choses. Aujourd'hui que vous êtes donc confiné, prenez des décisions pour pouvoir gérer à bien votre confinement. Je crois avoir lu quelque part que lorsqu'on prend une décision et qu'on l'applique au quotidien dans notre vie pendant 21 jours, il est susceptible que ça devienne une habitude, que ça devienne une seconde nature. Et vu que le confinement, ayant vécu le confinement de 2 mois par rapport à cette pandémie, je suis sûre que le confinement fera au moins 30 jours dans chaque coin du monde. Au moins 30 jours. Donc, si tu prends la décision aujourd'hui de prendre soin de tes cheveux comme il se doit, en le mettant comme un mode de vie, en l'adoptant comme un mode de vie et tout, pendant 21 jours, sois-en sûr que tu vas ressortir de ce confinement avec pour habitude de prendre ton cheveu sans plus
te soucier de ah, j'ai un mariage demain, j'ai une célébration à gauche, j'ai une célébration à droite, mais beaucoup plus de la santé de ton cheveu. Donc, je t'invite à mettre sur pied tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre soin de tes cheveux. Tu peux décider maintenant de faire, par exemple, deux shampoings la semaine, à toi de voir. Si tu le fais pendant une semaine après le confinement, je suis sûre que tu continueras à le faire chaque semaine. Tu vois, quand ton cheveu va s'adapter, à la routine, tu pourras le faire même chaque deux semaines maintenant, ainsi de suite. Je vous assure qu'il y a des gens aujourd'hui qui faisaient des routines chaque semaine, aujourd'hui qui ne peuvent plus vu leur temps, mais leurs cheveux tiennent à l'hydratation pendant au moins deux semaines, vous voyez, parce qu'elles avaient l'habitude de nourrir leurs cheveux durant toute une période et tout. Donc c'est ça en fait, dès que tu mettras cette routine sur pied, tu vas la faire pendant 4 semaines, tu vas laver tes cheveux pendant deux fois la semaine par exemple, quand tu vas reprendre tes activités, tu n'auras plus le temps, tu vas laver pendant une semaine. Quand tu vas avoir encore un peu plus d'activité, tu vas laver pendant deux semaines. Mais sois-en sûr que ton cheveu aura déjà bénéficié d'un bon nombre de nutriments pour pouvoir tenir. Et tu vas mieux connaître ton cheveu pendant ce moment-là. Par exemple, il y a Natural Yayou qui a lancé un challenge pour cette période de confinement. C'est une très bonne idée. Vous pourriez y aller également, la suivre et faire le challenge avec elle pendant cette période. Mais je vous assure que au sortir de cette période, si tu as mis une bonne routine, tu es sûr que tu continueras à prendre soin de ton cheveu. Donc, c'est le moment idéal pour tout mettre sur pied, pour pouvoir faire pousser son cheveu. Voilà, mes natifs, c'était une vidéo de motivation pour vous. Parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin très souvent d'un peu de pouce et tout, et tout. C'est une vidéo de motivation pour que tu puisses sortir un peu de cette zone de confort-là, de prendre soin de tes cheveux. Tu verras qu'au sortir du confinement, tu auras des cheveux. Mais alors, waouh! Je vous invite donc à vous abonner sur mes autres pages, chez Zouk Instagram. Suivez-moi aussi de ce côté-là. Je donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Parce que je vous dis toujours, si moi j'y suis arrivée, vous aussi vous pouvez arriver. Allez, bisous mes natives!